Toute l'équipe de Café Gaming s'excuse pour la lenteur de la diffusion de cette vidéo. Effectivement, Emargo est un gros feignant. Signé Flo, le patron de Café Gaming. Combien de fois j'ai dit que tu bouges ton cul pour faire ce vlog? Combien de fois je t'ai dit de bouger ton vlog là? Ça fait quelques mois qu'on attend ce putain de vlog. J'ai sorti la vidéo bilan machin bidou chouette. Et là, par contre, je suis pas très bien hein. Je commence à disparaître hein. Allez, j'ai pas envie de te dire un truc. Ferme ta gueule et bosse. Eh hey, rapido, ouais, Rasmo. T'entends ce rythme endiablé? Ça, ça fait danser les rats ça. C'est parti. Il est 4h30 du matin, le week-end commence dans 8h, enfin dans 9h plutôt. Donc, l'heure d'aller au boulot et après, bon bah, week-end. C'était via des gilets jaunes que t'as tenté. Ça y est, c'est la fin du boulot. Là, je vais pouvoir préparer la valise et finalement, je vais pas pouvoir ranger ma chambre. C'est le bordel. C'est... Non, tu regardes pas ça. Voilà. On va nourrir les petits pogos. Ils sont les petits pogos. Mais regarde. Il est l'heure de manger. Non. Nani? Nani? Nom 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 nom. C'est Guignol. Coucou les Guignols. Eh oui, avec son petit sac à dos. Où il a directement une PlayStation à l'intérieur. PlayStation. C'est pour ça. Ouais, la 1, la 2, la 3 et la 4. C'est bien. Donc là, on apparaît directement sur le vlog des Magos. Voilà. Abonnez-vous à sa chaîne. Ah, mais en fait, regarde ça sur sa chaîne. Bah oui. Bon, abonnez-vous quand même. Et regardez son vieil PlayStation. Ah, c'est gentil. Vieille d'ailleurs, j'ai un beau t-shirt. C'est PlayStation. Oh. Voilà. C'était la petite. Voilà, c'est pour le vlog. Voilà. Non, je vais me changer. Après avoir fait les 28 escaliers de la gare de Nancy, nous retrouvons Flo. C'est les amis, c'est Magou. Oui. Grand plan sur la fesse. La fin est loin, sur la fesse, sur la fesse. Grand plan sur la fesse. Attends, loin. Les joutes. Il était gilet jaune comme les autres. Si t'es bien des gilets jaunes, t'as dans tes mains. Oui, j'ai dit. Tu caches bien ton jeu. Je sais que c'est toi. Vas-y, dis bonjour à la caméra. Alors là, c'est Guinou. Moi, c'est Yedoul. C'est Guinou du 89. J'étais non, c'est Yalandel. J'étais à la gare de l'Est et tout avec mon gros là tout à l'heure. C'était parfait. Là, c'est. Le moment où j'ai saoulé mon pull. Yann Grézo, t'es là du cul. Bah, laisse-moi terminer. Mais fais pas ce trou du cul là. Bon, tu continues ta phrase ou tu restes à tête? Voici Dylan, mon fournisseur officiel de carte mère IBM. Bonsoir. Coucou. Oh putain, j'ai cru que c'était Rémi. Oh my god.
On ira. T'es de la salle. Il est pas qu'il est là. Il arrête. Eh, c'est mes potes, c'est ça le pire. Télégie, ça fait super U. Super U. De la merde en bouteille. Tu te rappelles? Ah oui. De la merde en bouteille. De la merde en bouteille. Non, de ma merde en bouteille, David. De ma merde en bouteille. De ma mère. De ta mère. De ma mère. Eh, hey, c'est de ma mère en bouteille, les gars. Regardez. On a le Samson. Eh, les gens, ils ressemblent pas à Hermione. Salut, c'est moi. C'est Harry Potter. Sors ta baguette. Harry. C'est-à-dire que j'ai une chance de sortir avec Marcus. No. Oh, y'a des nichons. Ah non, y'a des Miku. En fait, c'est parce que c'était une dédicace que j'avais fait à Flo. Oui, il y a des Miku. Pour le bagarre. Donc la fin de la scène. Là, il y a du hentai. Elles viennent juste. C'est comme exactement ici. Elles viennent juste faire connaissance. Et deux secondes après, elles sont en train de s'embaguer le fion. Lorsque ça devient. Mais je sais, là, je crois que je vais faire. Je veux rentrer à la maison. Tu veux retourner à Madagascar? Non, à ma campagne natale. Voilà. Paris. Non, Paris, c'est pas campagnard. Paris, ville allemande, située dans la Savoie, connue pour ses belles campagnes. Paris. Oh, t'es sur scène, mes amis. Ah, c'est sur bien, les Asiatiques. Calme-toi. Ah, je suis plutôt. Qu'est-ce que tu fais, Donald? La question qui se pose pas. Oh, putain, je vais gerber. 2018 plus 1, la zoophilie est une tendance trendy chez les millennials. T'es plus de 18 ans et de moins de 19. La zoophilie fait rage sur tous les réseaux sociaux. Tout de suite, après Foxy 54. Le pire, c'est les lunettes, elles sont à l'envers. Cette déviance psychologique atteint effectivement. Ah, c'est ça, c'est les lunettes. Le psychomoteur. Un reportage de Jean Glanguillon. La solution finale. Solution pour les milléniaux. Ça se diffusait en grande concentration. Oh, connard, on diffuse en grande concentration. Pour le bagarre. C'est un gros toy celui-là. Voilà, c'est tout. Hein. Ce serait qu'il se rend caleçon sur la vidéo. Ce sera pas la première fois. Je sais pas quoi regarder. Camera Reception. Une petite visite de l'appartement. Oh, regardez, regardez, il est méchant. Ta gueule. J'ai déjà posé le sac. Ça y est. J'ai posé le pull aussi, mais ça c'est. J'ai rempli son sac. Explication. On était à 3 hier soir. C'est vrai, c'est vrai. Wow. Minasan, konnichiwa. Yoroshiku onegai shimasu. Kore wa PlayStation no demo desu. Welcome disc. 英語は Welcome Disc です。ありがとうございました。 Fatality。 Enculé。 Oh non。 Elle est où ton nom japonais, merde. Dans les couloirs, c'est la panique. En effet, il y a des enculades à tout va et des striptease. Ça arrive, juste avant de sortir. Ta-da-ta-ta-ta-ta-ta. Ah, merde.
Regardez la brasserie de Médreville. C'est là aussi Daniel vient. Mais dis-toi, il fait ses courses là aussi. Mais putain. Juste la fontaine de Jouvence. Un truc à savoir avec Médreville, c'est que si on change quelques lettres, ça fait Médiéville. Ah, depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Sœur Daniel Fortesque s'était battu dans le coin à Nancy. En fait, il n'était pas un soldat anglais, il était un soldat nancéen, hein, c'est tout simple. Et ici, il s'abreuvait à l'aide de la lie du calice un bon nombre de vins dans la brasserie du maître du Médiéville. Du Médiéville. Putain, je dis ça en 2012. En 2017. En 2019. Oh putain, il a un train de retard. La rue de l'Axou, bientôt dans ton trou. C'est un plan de toute beauté. Oh, avec l'accent québécois. Tabouer, excusez-moi. Non, c'était un bel lac. Excusez-moi. C'est ton texte, c'est ton texte. Donc voilà, je m'en excuse. T'as révisé ton texte avant de venir? Non, j'improvise. Et puis je pense au compris non plus. Mais mon frère, moi je t'ai pas dit que j'ai volé 10 pains, je t'ai donné 10 pains. C'est moi qui fabriquais, pure maison. Eh ben écoute, moi je t'appelle mon frère parce que t'es mon poteau. Par contre, mon voisin quand il est mort, c'était pas mon poteau. Hein. Il me devait 15 000 balles. Et nous sommes désormais dans la rue de Saint-Lambert. Ça nous rage. Notamment au fameux acteur Christophe Lambert, qui est également nancéen. D'ailleurs, nous avons tourné en miniature les scènes de Greystoke, vous savez, le film de Tarzan avec Christophe Lambert, où il faisait « Oh !» Et c'est exactement dans cette rue, dédicacée pour ce magnifique acteur qui avait également fait Highlander. Dans cette rue ici, on reconnaît juste dans ce toit là-haut, où il y a la scène finale avec notamment Freddie Mercury qui est derrière. Bon, alors c'était un pâle sosie pour le clip, hein. C'était Frédéric Mercure. Mais bon, ça, ce sont des secrets qui resteront seulement et seulement à Nancy, bien entendu. Voilà, fin de l'anecdote, et il y aura d'autres anecdotes sur le chemin. Attends, il y a une pierre d'Estal, on va aller voir. Ouais, allez. Là-bas. Quoi, il y a une pierre tombale? Ici fut jadis le célèbre commanderie Saint-Jean du Vieillâtre, fondé par le duc Mathieu Ier en 1177. En l'an 1476, relais de l'établissement quartier général à Saint-Jean, c'était ici le Berry Charles le Téméraire, à la bataille de Nancy, 5 janvier 1477. On appelle le Téméraire. C'est 17, on l'appelle Charles le Téméraire, mais faut dire qu'il s'est barré dès les premières salves de flèches. C'est pour ça. D'où Sir Daniel Fortes également, qui est mort dès la première salve de flèches. Bonne problème d'impuissance, je peux vous aider. Et ça marche, 48 heures après, une bite bien soyante. Bien lubrifiée. Parfait. Bien dur. Pour... Ah non mais non, c'est trop gros. Le remède est nul. Science for a better life. Tourisme de masse à Nancy. Pour que les touristes s'immiscent dans la masse et visitent les lieux les plus touristiques, ils revêtent un gilet jaune. Une astuce qui a déjà fait son succès, notamment dans les villes de Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Dijon. Tout de suite, un focus sur ces faux gilets jaunes. Est-ce qu'elle a testé? Alors, j'ai testé. C'est une vraie discussion que j'ai entendue dans le coin. Alors j'ai testé comme weed, j'ai testé de la purple, j'ai testé de l'olive, j'ai testé celle russie là. Je vois pas. Mais si, tu sais, la blanche, la white russienne. Voilà, la white russienne. L'exhibitionnisme à Nancy, un nouveau fléau des jeunes. Oh, putain, c'est beau. Effectivement, la place Stanislas. Ah non, mais sans déconner. Ah ouais, le Tour de France revient à Nancy. Oh, mazette. Ah bon, c'était parti. On fait un petit tour. Ouais, je vais faire un panorama. Ouais, voilà, j'ai fait un petit tour. Un petit tour. Bonjour, Imago. J'ai écrit roi de Pologne, duc de Lorraine et du bar. Parce que c'est le meilleur. Touristes, ils en profitent un peu trop. Ils s'accroupissent. Oh. J'espère qu'on a vu. Et... Salut les anciens. Comment ça va? Ouais. Ouais. Yeah. Oh ouais. Tu veux mon zigouigoui? Pour le bagarre.
Spirou, le nouveau fléau des jeunes. Regarde comment il te regarde. La plupart des jeunes n'étaient pas nés quand le jeu est sorti. Surtout ça. Combien celui-là ? God of War. Je sais pas, il y a pas de prix. Il y a le jeu avec ou... Est-ce que tu as craqué ton PUL ? Excuse-moi. Craque ton PUL s'il te plaît, je veux une... Le recyclage, cette tendance à prendre des déchets et à dire à voter. Macron dédicace à toi. Have a break. I have a kick. C'est très bon. C'est très bon, mon cochon. Et je sors le billet. Et oui, il paye. C'est important. Exactement. Ce que tu me dois d'ailleurs. Non, j'arrête. Ça sent ton café, tiens. T'as raté une occasion de faire ta gueule. Café gaming. Ici, on ne boit pas que du café. On parle jeux vidéo. Et on parle coca aussi. Chaud. On en a foutre. Je prends mon temps. J'ai un petit truc. T'as un petit truc, t'as rien à rajouter que j'ai... Je prends mon temps. Flo, tu veux rajouter que j'adore le diabète. Le resto chinois, le fléau des jeunes. Non, non, restaurant japonais. Je ne confonds jamais resto japonais et resto chinois. Bienvenue sur 128.0, aujourd'hui de notre documentaire dans le Chinopon, ce pays du soleil de riz et de vin, situé au-delà de la terre du milieu, est connu pour sa culture dark metal et de son hentai hardcore Piggy 3. Son héroïne la plus connue est cette chère Rami. Mais trêve de bavardage, ce pays de 17 000 âmes de sushi doré est très hospitalier et plus encore, même les touristes ont peur. Les jardins égoïdistes, ravivons vos chers bovins, mais ça, c'est le monde de demain. Excusez-le, il est juste con, mais c'est normal, c'est japonais. Oui, il est but, japonais. Voilà, nous sommes dans un restaurant japonais. Je me suis pas trompé cette fois-ci. Yes. Et effectivement, il y en a un qui sait tellement pas s'utiliser les baguettes que manger une fourchette. Mais bon, les japonais prennent ça normal. Contrairement aux français, les japonais sont plus conviviales. Les français sont plus des... Nous avons cette petite spécialité d'œufs de dragon, de nourriture, à base de légumes, de petites bières. Tu sais que la sauce elle est pas trop épicée, c'est nickel. Oh. Tu vas bien, bio ça. Franchement, petit ravioli, sauce soja, soupe miso offert. Ça vous avait plaisir. J'espère que c'est offert par la maison. T'imagines, tu travailles avec une autre extrêmement salée, que tu en pleures, tu sais. Et qu'on a, après 2 heures, nous attaquons le dessert. Ouais, donc, voilà, attends, t'as eu le temps de le dessert. Ne suce pas le truc. Ne suce pas le goût. Le dessert. Le dessert. Enfin un extrême. Attends. Moi j'ai pris une dame blanche. La musique. Voilà. Arigato gozaimasu. Oh. Jours Élysées. Merci au restaurant de Nancy. Natsu. Comme le chien de Squeezie. Désolé. D'accord. Je mélange. Il se lit dans sa tête. Putain, de ses gueules, qui sont ces personnes? Je crois qu'on est en train de dormir à ce sorci. Oui. Bah, moi aussi. Mais c'est connard, il me réveille, vas-y, nettoie, il y a la belle qui arrive. Soir, quand je vais rentrer, je vais me soigner les cordes vocales. Bah, il y a bien intérêt. Tu vas bien sucer. Ouais, c'est une grosse bite là. On la connaît l'astuce. Hein. Bah, non, c'est le miel. L'astuce naturelle. Voilà. Ouais, c'est du miel, espèce de. Des abeilles. Le miel blanc. Pas forcément. Mais Pops, c'était votre truc. Chier du jus là, c'est dégueulasse. Ouais, quel jus? Vous faites ce que vous voulez hein, avec le miel. C'est ma Pops. Et ton père, il fait ce qu'il veut avec le miel. Il m'a fait Windows. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Oh, Wingardium Leviosa. Tu fais avec le miel. Attends. Oh, ouais. Attends, avec un iPhone. Wingardium Leviosa.
Gardium Leviosa. Gardium Leviosa. Gardium Leviosa. J'aurais cru. On dirait une meuf là. Je suis ton père. Ouais, ma mère. Oh, il y avait un petit début de ça qui m'énerve. Non. C'est qui cet arrêt? Si je le vais pour eux. Je sens que je viens de. Au revoir, Yen. Yen, putain, je l'ai soigné. Je l'ai soigné hier. Je sens que je vais me faire défoncer. Je t'aime. Parlez critique. Pas. Sans bien sûr. Comment il est motivé? Ça bouge. Mais par contre, c'est marrant. Oui. Va te faire enculer. Tu es le crocodile là. Avec le musique là. Ouais. Ouais, regarde, il y a ça maintenant. Tu peux attirer que ça maintenant pour les gens. La preuve. Le chichi. Le chichi. Il va faire un petit au carolina. Être aiguë, hein. Il a essayé. Ouais, ça passe quand même. Ah, confirmation d'un fan. C'est bon. Voilà. C'est bon. Quel est? Ah, je le connais la musique. Non, j'ai pas connu. Alors, si c'est sur GameCube, je te dirai. Comment ça fait sur GameCube? Alors il y en a plusieurs. Putain, on est pas dans le portal. Windbreaker. Alors, Dylan et Florian disent Windbreaker. Emago dit Ocarina of Time. Yinul vous a dit Link's Awakening. C'est pas parce que tu veux pas le mec qui avait pas ta mobile dégueulasse. Qui a raison? Voilà. Tout de suite après la pub. Et là vous êtes tous des merdes. C'est Link to the Past. Oh. Ils sont germains, tu vois. Je savais en plus. Tu vois, vous n'étiez pas sûr. J'allais dire A Link to the Past. Mais j'ai dit. Mais tu l'as pas dit. Oui, mais. J'ai cru. Ah, pas que le mâle et femelle, il y a aussi des transgenres. Transgenre, bonjour. On dirait une classe sans savoir mes mots. Je suis un humain. Je suis un transgenreur. C'est le mix entre transgenre et Transformers. Ton personnage est maintenant masculin. Non. Je n'ai pas encore les compétences. Je voulais mater son poule. Je veux pas être gay. Sors le patriarcat. Non. Sors le patriarcat. Cette tendance des millennials. Arrivée deux heures en avance. Pour faire croire que ta gueule m'a manqué. Qu'est-ce que tu dis à ta mère? Je veux une Twingo. T'auras ton jouet. Merci maman. Que vous venez pour la vie de Rally du Geek. Oui, tout à fait. On est tellement en retard qu'il n'y a plus personne dans la file d'attente. Là, on est juste deux heures à l'avance. Tellement en avance qu'on est arrivé deuxième. J'ai jamais été aussi tôt dans une file d'attente. Oh. C'est rare. Bon, ouais. 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 Même en arrivant bientôt. Pour l'animation. Oh. Avec la warm zone qui. Oh, ça, pas mal. Attends. Ça t'aime bien, hein? Non. Fury. Non, je préfère lui. Hein. C'est Foxy. Ça veut dire, c'est ça? Mais il est mignon, Foxy, oui. Comme ça. Ah, bah, lui, ça pourrait le faire. Dis-lui ce que t'as raconté sur papa et maman là. Ah, non. Ah oui, non, c'est toi qui demandais à Twingo d'ailleurs. Oui, une Twingo. Elle est pas encore dans le garage parce qu'il n'y a pas encore assez d'argent parce que maman n'a pas y a encore fini de travailler et de récupérer des sous le soir sur les trottoirs. Là, là, là. Et papa est au courant, oui, c'est lui qui s'occupe des finances. Là, 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 là. Je crois qu'il est pas trop au courant. Et donc là, tu vois, je me suis tapé une. Non, ça s'enregistre. Parle d'impuissance. Moi de puissance. Le courant des millennials.
Le Viagra. Johnny Mafia. C'est Totoro. Miel de montagne. À quoi? C'est sûr, c'est une convention geek. Et pas une convention montagnard. Your lady. Oh, ça sent la Suisse. Alors il se mouille. Maman, tu te mouilles. Pas en public. Non, tu fais pas ça. Là, il est en train de me moucher, gratos. C'est quand même sympa. Maman, tu es une Twingo. Tu fais chier avec ta Twingo. Boule baga. Excellente affaire. Une plus 4, une plus crash pour 4 euros. C'est pas beaucoup. C'est moins cher. Et chez nous, c'est testé. On n'a pas de l'électricité. Chez nous, c'est moins cher. Et on n'a pas de borne d'arcade. Ça craint. Ça craint. La télé. Le mec, le monsieur avec sa caméra juste devant, vient d'interviewer Flo il y a quelques minutes. Malheureusement, j'ai pas enregistré, peut-être on verra bien. Ce sera sur France 3, Lorraine, Ardenne. Et je me tenterai de télécharger illégalement la partie de l'interview. J'ai vu une Naomi, donc une console arcade. J'ai vu ça, j'ai dit tiens, je vais le prendre. Chercher autre chose là maintenant. Voilà, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Ouais. Maman doit rentrer à la maison. Maman doit récupérer sa Twingo. Je sais pas pourquoi, c'était mon délire la Twingo. C'était comme ça, voilà. On verra sur les images. Et on va rentrer. Chemin se sépare. Nous prenons pas le même train. Non. Et non. Et non. Parce que maman doit partir très tôt au travail ce soir. Travail ce soir, cette nuit, hein. Donc, une petite douche, hygiène intime, tout ça, enfin voilà, merci, voilà, c'est vraiment sympa. Et le poignet de main, assez cordial. C'est cordial, concernant notre vie, je veux la carte de fidélité. Bien sûr. La carte de fidélité du bon voyagier. Le problème, c'est une idée. Effectivement, en effet. Pas une bonne again. Et maman. Un reportage de Jean Guillon qui était à la caméra tout à l'heure. Pour France 3. France 3 régional. Rue du Villâtre. C'est déprimant là. C'est très très déprimant. Voilà, c'est la fin du week-end. Voilà. Enfin. Ouais, bah après, il y a eu quand même pas mal de monde qui est arrivé d'un seul coup après. On a pu voir un petit peu. On va être bientôt 18h, donc c'est l'heure de marcher à pied jusqu'à la gare de Nancy. Donc. Et 3 heures de voyage. Mais tu sais qu'il y en a déjà qui sont déjà rentrés. Ouais, je pense que. Là, je crois qu'il est déjà rentré. Ouais, il est déjà rentré. Ah, au moins, je suis sûr, je pense qu'il est déjà rentré parce qu'il est parti à 11h du mat. Vu que ça m'étonnerait qu'il y ait 7h de. Il est encore trajet. Et nous, je pense qu'il y a peut-être encore une heure ou deux. Tramas. Voilà. Toi, t'es déjà chez toi, ça va? J'ai acheté ça. C'est la dernière d'un Power Arcade. Virtual Elite que j'ai acheté. Un Pixel. Pixel Ratchet, ça fait un moment. Et en plus, c'était rare, j'ai pas eu pour cher, c'est bien. Voilà, merci en espérant que je vais terminer sur les petits coins du voyage, mais encore de la batterie. Voilà.
J'espère que vous avez apprécié. Ça vous a plu un petit peu. J'espère que le montage aussi vous aura plu. C'est vrai que je passerai beaucoup de temps. Là, je parle au futur. Mais pour vous, c'est le passé. À très bientôt. Voilà, petite fin. Vous allez voir. Et tchuss. Café Gaming. Ici, on ne sert pas que du café, on parle.